Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite des aventures de Gredul, l'orque furtif sur Skyrim. Dans la vidéo précédente, nous avions donc continué un peu la quête principale, mais nous étions tombés sur une quête secondaire dans le donjon, que j'ai fait. Et maintenant, on se retrouve pour la quête qui s'appelle Révélation. Donc, il faut lire la lettre, il faut livrer la lettre à Astrid, et la lunette aussi. Donc, je vais vous remontrer, hein, sur la lettre, il y avait donc des espèces d'indices. Comment faire? 1. Vous devez assister au mariage. 2. Cet officier de haut rang soit responsable de sécurité, blablabla. Donc on doit faire un truc sur un mariage. Donc on va essayer de se faire aider par notre chef, en gros, finalement. Et je vais regarder si mon fauve est à 90. Et c'est le cas pour le moment. Donc voilà, on va lui parler, savoir ce qu'on doit faire. Retour. Bien. Alors, avez-vous rencontré ce motière? Que voulait-il? Oui. Allez, on tue l'empereur. C'est une plaisanterie. Quoi, du que non. Montrez les miettes de... et la lettre Qu'est-ce que c'est? Cachetée à Astrid. Parcytis, vous ne plaisantez pas. Ah Tuer là là. L'empereur de Tamriel? La confrérie noire n'a pas commis d'acte de cette envergure depuis l'assassinat de Pelagius. D'ailleurs, personne n'a osé assassiner un empereur de Tamriel depuis le meurtre d'Uriel Septime, il y a 200 ans. La mère de la nuit n'a pas pu nous donner de fausses indications. Non, certainement pas. Et pour une raison que j'ignore, c'est à vous qu'elle a choisi de transmettre les informations de Motière. J'ignore ce qu'il se passe au juste. Si vous êtes Blablabla. l'oreille noire... Donc nous allons accepter le contrat. Et comment que nous l'accepterons? Si nous réussissons notre coup, la confrérie noire sera crainte et... Ok, blablabla, ça parle beaucoup, beaucoup hein. À assimiler Ah, je suis désolé si vous avez l'impression que je suis un peu mou, c'est que c'est le matin assez tôt, donc je suis un peu de tension, et voilà. cette amulette. Blabla, mais ça parle beaucoup là, quand même. Je pense que nous devons faire estimer cette amulette. Je veux savoir d'où elle vient, combien elle vaut et si nous pouvons la vendre sans nous attirer d'ennuis. Un seul homme peut nous aider dans ce domaine, Delvin Mallory. C'est un receleur privé. Il Je le travaille dans connais. les souricières à Fayez. Donnez-moi la lettre. Apportez l'amulette à Mallory. Découvrez tout ce que vous pouvez et vendez-la lui s'il est d'accord. Il vous offrira une créance. Acceptez-la. La confrérie noire a déjà eu affaire à Delvin D'accord. Mallory. Bon. On peut se fier à lui. Donc, en gros, heureusement que j'ai fait la guide des voleurs puisque je connais cette personne. C'est pratique quand même, hein, d'avoir fait ça. Mais j'étais pas au courant, donc c'est vraiment du hasard total. Comme je rappelle, j'ai jamais fait les quêtes de la confrérie noire, ni celle de la guide des voleurs avant de faire ces vidéos, évidemment. Voilà, assez surpris. Allez, viens, toi. Ouais. Et je suis content en même temps, au moins ça fait des liens entre les PNJ du jeu, hein, que ce soit pas juste un clan d'un côté, un clan de l'autre, on se parle pas, et puis basta. Bon, c'est bien, moi je suis content de ça. Allez. Et voilà, je suis coincé, je vole. Ah, c'est bon. Cruche percée. C'est quand même pourri comme nom, faut avouer, moi je suis pas cruche percée. Bonjour. Ouais. Alors. La cruche percée. Allons voir ce que va nous donner notre ami. Besoin de quelque chose pour la guilde? Ah, c'est bien, ça a été aussi bien remanié. Il parle de la guilde, mais en fait, non, on dit que je suis sur hors de la confrérie noire. Oh, je vois. Eh bien, vous vous faites des amis partout. Ça, c'est bien ce qu'ils font là. N'est-ce pas? Ah, tiens. Ah, oh, blablabla. Toujours les amis. Voyons un peu. J'essaie d'aller un peu plus où vite. Comment avez-vous bien pu trouver cela? Il s'agit d'une amulette du Conseil des Anciens de l'Empereur. Ah, quand même. Chaque membre en a reçu une unique en son genre. Ça vaut une petite fortune. Vous ne devriez pas vous en séparer sans une bonne raison. Je sais que ce n'est pas à moi de dire à la confrérie noire ce qu'elle doit faire. Mais si vous avez tué un membre du Conseil des Anciens... Vous feriez mieux de nier. Vous feriez mieux de nier... On aurait fait tout ça. L'acheter. Ça. Une amulette du Conseil des Anciens. Oh oui. Oui, bien sûr. Oh. Attendez un instant.
Oh, tu me fais pas de combat, hein. Crédit, non mais oh. Utilisable par Astrid uniquement, contre tout service ou objet que je peux lui fournir, conformément à notre accord. Ah, il y avait quand même un accord entre eux. Apportez cela à votre charmante maîtresse, avec toute mon estime. Voilà, mais par contre, je vais te parler. J'ai plein de boulot à vous proposer. Est-ce ça que... Ça vous intéresse? Il y en a un à qui je pouvais vendre des trucs, je me souviens plus déjà qui c'est. Alors, c'est vous? Dire qu'on a des talents de voleur, c'est une chose. C'est lui, je crois, mais bon, je sais plus. Est-ce que c'est si grave que ça? Non, finalement. Même si vous êtes des nôtres, bon. Vous n'avez pas intérêt à causer de allez problème. On se barre, j'ai failli aller encore à l'endroit où il faut pas aller. Alors là, c'est beaucoup d'aller-retour, hein, je suis désolé, pour raconter quelque chose dessus, c'est pas facile. Hop là, là, on va ici, et c'est, yes. Et moi je me téléporte à travers les tombeaux, hein, vous avez vu. J'arrive à passer à travers les murs. J'imagine pas ceux qui jouent RP, qui font pas de voyage rapide, pour se faire à chaque fois tout le... Pouh là là. Qu'ils aiment pas prendre, ceux qui font du RP, du vrai RP, ils aiment pas prendre les voitures, les chariots voitures là, qui les amènent de partout. Ils prennent pas, ils vont tout, font tout eux-mêmes, c'est horrible. Alors, qu'a dit Mallory? Le conseil des anciens? Ah, oh, ceci explique cela. Motière, quelle ville. Oh oui, je viens de comprendre aussi, oui, en effet. Vous avez engagé la... Mallory était-il prêt à acheter l'amulette? Merveilleux. Alors nous allons pouvoir commencer. Enfin, vous allez pouvoir commencer. Mais non, pas moi, j'ai rien fait. Tout. C'est à vous que la mère de la nuit s'est adressée. Mais non, c'est je suis fou, j'ai raconté ça pour vous dire des bobards, mais non, c'est pas vrai, elle m'a pas parlé. Vous avez beau être efficace pour tuer, votre maîtrise de la fourberie laisse à désirer. Tu veux que je fouille tes poches pour voir si je suis pas fourbe? La lettre que vous m'avez portée était mystérieusement décachetée à son arrivée. Je ne peux qu'en déduire que vous l'avez lue. Ah ben oui, quel c'est pas manque con. De rigueur. Parlons peu, mais parlons bien. Comme vous le savez sûrement déjà, puisque vous avez lu la lettre. Putain, c'est bon ça. J'aurais pas dû la lire. Un mariage? Bien, plutôt une réception publique. Ce devrait être charmant. Vous vous mêlerez aux invités. Ah non, pas la mariée, pas les femmes. Du gâteau. Je ne tue pas les femmes. Sauf lors d'une quête. Ah ben c'est le cas. Bon, bah je peux la tuer. Oh oui. Vous devez tuer. Et on dit que le romantique... Alors ce que je peux faire, c'est foutre un poison dans les vêtements. Comme ça, ni vu, ni bossu. Comme dirait un certain Sabri Saïd en H. On sait pas voir. Qui est la cible? Elle s'appelle Vittoria Vici. Elle représente les intérêts de la compagnie de l'Empire oriental à Solitude. Le mariage se déroule dans cette ville, au Temple des Divins. Sa mort déclenchera un tumulte. Ce qui est exactement ce que nous Vici s'adressera à ses invités régulièrement, comme c'en est la coutume lors des mariages. Si vous la tuez à ce moment-là, d'accord. Je vous promets une prime considérable. Mais je vais voir comment ça se passe surtout. Saluez la mariée de ma part. Ah, je termine les révélations, d'accord, c'est juste des allers-retours. Que j'aurais plutôt tout à fait faire dans la session précédente jusqu'à ce que la mort nous sépare, bien sûr. Ça, c'était classique comme nom de caisse, c'est classique, c'est simple, efficace et tout ce qu'on veut. C'est un meurtre en public. À vous de choisir comment vous désirez procéder. Une flèche en travers de la gorge? Un coup de couteau dans l'estomac? Peu je peux pas la tuer discrètement, quoi. Tant qu'elle meurt bruyamment, avec des effusions. D'accord, ok, super, merci. Au vu du climat politique actuel, tout le monde se figurera que le meurtre est lié aux querelles entre la Légion et les Sombrages. Ouais. En tout cas, quand Vici mourra, ce sera un prêt au Hubohu. Vous feriez mieux de repérer à l'avance le chemin que vous emprunterez pour vous échapper. Ah ben moi j'y vais à la bourrin, moi. Non mais où? Excellente question. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Je pose toutes les bonnes questions, toujours. Blablabla. Bla, bla, bla. Des rapports évidents. Alors si leur mariage se solde par un meurtre, ainsi l'empereur n'aura pas le choix. Il devra se rendre en bord de ciel pour gérer les répercussions. D'accord, ok. Et la confrérie noire. Excellente question. Ah, mais non, non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est faux. C'est pas la bonne. Oh, ce menu pourri. Il projetait ce voyage en bord de ciel depuis des mois. On dirait que l'empereur. Bon, ok, il faut faire venir l'empereur avec ça. L'empereur sera bien obligé. Et comme dire sur vous, je veux pas savoir, tu es une fadade. Allez, on y va. Nous partons à Solitude.
Bon. On va à Solitude. Ok. Tu es Vittorio Vecce. Vittorio Vecce. Yeah. Ah, je suis italienne. Ah, si, 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 si. Ah, italienne. Si, si. Italiano. Italiana. Ti amo. Yeah. Tutti. Bon. Après ce magnifique italien que tout le monde rêve. Allez, c'est parti. Je revérifie mon fauve parce que je sais que le jeu aime bien me l'enlever à des moments. Enfin, n'importe quel moment, justement. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller par là ou pas ? J'y ai bien réfléchi. Si ça se trouve, c'est moi l'enfant de Bradley. Mais je ne le sais pas. Vu que tu t'es pris une flèche dans le genou, ça m'étonnerait. Il me fait peur, lui. Ah, bah, c'est ici. C'est juste que moi, je me suis un peu trompé. Et... Bon. Je suis content que Vittoria et Asger aient organisé une réception. Thème, ça, ça se. Les agitateurs de sombrage refusent de se soumettre à l'autorité impériale. Oh, quelle journée extraordinaire. Vous avez bonjour des sombrages. Gloire à la Légion impériale. Je suis humblée. Mais pourquoi ils se battent pour une mariage? Mais laissez-les tranquilles. Contre le domaine, non? Non, ça n'a rien à voir. Donc ça c'est la mer, j'imagine. Les soldats du domaine étaient des envahisseurs, des conquérants. Nous avons dû les combattre pour préserver nos propres traditions. Exactement ce que je veux dire. Ok. Je vous en prie, amusez-vous. Ah bah là ils ont l'air de vraiment s'amuser, oh putain. L'empereur, trop occupé pour assister au mariage de sa cousine chérie. Nous ne prendrons pas cet affront. Ce mariage est barbant. Ils auraient pu faire venir des jongleurs. Alors moi je peux jongler, tu vas voir. Non, c'est pas ça en fait. Mais qu'il fait des coups de poing lui. Ah mais non, parce qu'il me faut une épée, j'imagine. Attendez. Cristagide avec rien du tout. Ah mais non, d'accord, ouais, excusez-moi, je suis un peu de tension, donc il faut le mettre là. Regardez, attention. Voilà, j'ai jonglé comme une merde, mais j'ai jonglé. Au mariage de ma tante, il y avait un gâteau d'un mètre de haut. J'ai été très malade. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il paraît que Vittoria Vici, c'est le cousin de l'empereur. Bon, je te... Faites attention. Voilà, dégage là. Chers amis et voisins, je voulais simplement vous... Il paraît que Vittoria Vici, c'est le cousin de l'empereur. Partager cette merveilleuse journée. J'aurais bien aimé qu'il vienne au mariage. J'ai jamais vu l'empereur. Il n'y a ici ni sombrage. Je suis content que... Mais elle est où celle qui parle? Je suis venue pour célébrer l'union de deux âmes. Ah mais elle est là. Alors amusez-vous. Vous avez tous contribué à faire de ce mariage une journée vraiment extraordinaire. Tous mes vœux ont été exaucés. Alors du fond du cœur, je vous remercie tous. Quand il me regarde lui. Merde. Je crois que je me suis manqué. Je crois que je me suis manqué. Et merde. Je crois que je me suis trompé. En même temps, j'arrive pas à être discret là. Ouh là là, c'est beau. Bon bah je me suis manqué parce qu'il fallait que je fasse pendant qu'elle... Alors faites vos devoirs rapide. C'est ça là, hein, je regarde l'heure qu'il est, ouais c'est ça. Ok d'accord. Bon, Figé c'est le petit, j'aurais bien aimé qu'il s'endorme ou je sais pas. Allez on recommence rapidement, on sait qu'elle va monter au bout d'un moment. Tout va bien? Oui oui tout va bien, je suis un peu essoufflé, à part ça tout va bien. Ah le bruit de mon orc, c'est rigolo. Je suis là pour assurer la protection de la cousine de son... Bon, par contre, je vais essayer de... Vous venez de Cyrodiil. Hop. Et tag. Excusez-moi. Ah. Oh, ce la 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 la, il m'énerve. Trop occupé pour assister au mariage de sa cousine chérie. Nous ne prendrons pas cet affront à la légende, je vous assure. Hé,
faites attention. Et attention de quoi? Barre-toi, petit con. On va faire une sauvegarde quand même. Au mariage de ma tante, il y avait un gâteau d'un mètre de haut. J'ai été très malade. Je suis content que Vitoria et Asger aient organisé une réception publique. Toute la ville pourra partager ce lien sacré qui les unit. Non, moi je... Alors si elle m'a vu, je trouve ça super pas logique. Allez, sauvegarde. On y va. Chers amis et voisins, je voulais simplement vous remercier toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour partager cette merveilleuse journée avec mon nouveau mari et moi. Aujourd'hui, laissons les problèmes de bord de ciel derrière. Ah, il veut voir un truc. Aujourd'hui... Voler à la tire, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Une alliance, ça serait rigolo de les gâcher son mariage. On verra après. Communion dans la paix et l'allégresse. Allez, amusez-vous. Vitoria. Ok, bon, alors, robe de mariée, je m'en fous un peu, sandales de mariée. L'alliance, les amistices, les anneaux, anneaux, clés de Vitoria, la maison. Oh, vous allez, je vais prendre ces clés, on met où? Non. Astrid m'a ordonné de garder. La mariée a été assassinée. À l'aide. Ouais, je vais me coincer tout seul. Ah, est-ce que c'est ça qu'il faut faire au moins? Ok, je me pars. Enfin, si je peux. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire du tout, mais c'est pas grave. Mais c'est où qu'on part? Putain. Je sais que je suis un peu perdu dans cette ville, mais quand même. Ok. Bon ben, on va... faire du tout droit. Alors là, vu qu'il est... Bon, par contre, là, ça me gave un peu. C'est que je pensais pas que ça galérait comme ça. C'est que ça se bat en plus. Par contre, j'ai pas compris le... informer Astrid, là. J'ai pas compris informer Astrid, pourquoi il me le met là. Bah, ils sont cons. Ah bah ils sont des... Bah, d'accord. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais recharger ma partie. Parce qu'en fait... amis et voisins, je voulais simplement vous remercier toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Alors moi ce que je voulais faire c'est... cette merveilleuse journée. Mais... Si je... Non. Astrid m'a ordonné de garder un œil sur vous. Il se doutait que vous auriez... La mariée a été assassinée. Ok, je recommence. Je vais y arriver. Ce que je vais faire là, je vais... sauvegarder. La volée, alors. L'alliance. Oh, je deviens un succès devant vos yeux. Ébahi. Oh mince. J'ai cru. J'ai cru jusqu'au bout. Alliance. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Non, franchement, avec 90%, il abuse le jeu. Vous vous amusez? Allez, mange. Qu'est-ce que c'est? Astrid m'a ordonné de garder un œil sur vous. J'ai tout pris, et en plus... La mariée a été assassinée. Ça pique. À l'aide. Ça pique. Ah mais, il fout de moi, lui. Le garde qui a pas bougé. Ils sont pas encore au courant. Ils sont pas encore au courant, c'est la classe quand même. Voilà, bon, cette fois j'ai rien à faire, réussi à fuir. J'aurais pu voler son mec aussi. Enfin son... Oui, c'est son mec en fait. Ils sont pas encore au courant. Ça m'arrange. Alors, ils sont pas encore au courant. Par contre, je sais pas si j'ai eu une prime sur ma gueule. Peut-être pas, j'ai pas fait gaffe, parce que là, j'ai vraiment... C'est ce qu'il fallait faire, je trouve. Si ça se trouve, j'ai... Bah si, parce qu'ils m'ont attaqué, donc c'est que forcément j'ai une prime. Mais enfin bon,
essentiel, hein, c'est de... Peut-être on va réussir à se barrer. Bon, voilà. Fais du bien.